Aujourd'hui, on va étudier comment on répond Hachem le Kohen Hametz dans le cas où on fait avec le Tzibour, donc un cher Tzibour, et on est en même temps que lui. Ce n'est pas qu'il nous a dépassé, il a déjà fini, là on est en retard. On finit en même temps que lui, on est même avant lui. Si on est avant lui, alors c'est bien de finir Kriyat Shema avec lui. Donc on s'arrêtera un verset avant la fin, et quand il commence à dire Ani Hachem le Kohen Hametz, c'était très mince Mitzrayim, on commence avec lui. Ou bien on peut s'arrêter à la fin de ce verset, avant les mots Ani Hachem le Kohen Hametz. Et on finit avec lui, Ani Hachem Elokechem, on finit en même temps que lui, et on dit Emet. Tout le monde dit Emet, y compris le cher Tzibour. Après, on se tait, il faut que le cher Tzibour pense, s'il ne pense pas, ce n'est pas valable, il faut qu'il pense rendre quitte tout le Tzibour, tout le public, en disant les mots Hachem Elokechem Emet. Et nous, on pense être rendu quitte, il faut qu'on l'entende distinctement. Il y en a beaucoup qui font Hachem Elokechem Emet, on n'entend plus rien, le T de Emet, on ne l'entend pas. Il faut être très distinctement dit, il faut aussi qu'on l'entende bien, qu'il n'y ait pas de bruit, et que le cher Tzibour pense rendre quitte. Si on a un doute, si le cher Tzibour ne pense pas nous rendre quitte comme il faut, alors nous on fait tout seul comme s'il n'y a pas le cher Tzibour, comme j'expliquais la dernière fois. Ça ne vaut pas la peine, c'est mieux d'être rendu quitte par le cher Tzibour, mais si on n'est pas certain qu'il nous rend quitte, alors il nous manque les trois derniers mots du Kriyat Shema, c'est un problème. Donc mieux vaut n'être pas rendu quitte par lui et continuer. Donc je répète. On dit Ani Hachem Elokechem avec tout le monde, la fin des trois derniers versets du Kriyat Shema. On dit Emet à haute voix, le cher Tzibour lui aussi dit Emet, et après on se tait et on est rendu quitte par les mots Hachem Elokechem Emet que dit le cher Tzibour, et on continue Viatsi, Venachom, etc. Je rappelle qu'un des deux Emet, ce sera le dernier mot du Kriyat Shema, et l'autre, ce sera le premier mot de la Bracha qui vient avant. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.